Le rôle des mères pour faire la promotion, dans le fond, des saines habitudes est très, très, très varié. En fait, que ce soit au niveau des équipements, que ce soit au niveau de l'alimentation et que ce soit aussi même de donner l'exemple. Je pense que le rôle d'un maire est fondamental. On dit toujours qu'on est le gouvernement de proximité. Alors, je pense qu'on doit trouver des façons de donner le goût à nos citoyens d'adopter des saines habitudes. En fait, comme gestionnaire, c'est sûr qu'on peut soit revoir nos équipements. C'est sûr qu'on peut aussi trouver des activités, faire plus de variété pour nos citoyens. Longueuil, notamment, cette année, on accueille les Jeux du Québec. Donc, ça nous donne une opportunité de moderniser nos équipements. Donc, c'est fondamental. Ça donne aussi un autre attrait à notre ville. Je pense que ça devient plus intéressant. On a un marché public aussi. Quand on parle d'avoir des saines habitudes alimentaires, dans le fond, c'est qu'on développe notre territoire et en plus, on mange plus santé dans un marché public. Et aussi, on peut donner l'exemple. Moi, par exemple, j'essaie de m'adonner à la course. On dit toujours que c'est important que les bottines suivent les babines. Alors, quand on dit à nos citoyens, c'est important d'avoir une population en santé, quand le maire se prend aussi en charge et est en santé, je pense que ça donne le goût à tout le monde de l'être. Et ça fait en sorte aussi que nos employés ont le goût d'être en santé. On a instauré des activités dans l'heure du midi. Par exemple, tout à l'heure, des employés vont faire cardio plein air. On a des activités un peu partout pour nos employés. On a invité la population aussi à participer. Je pense que ça donne le goût quand les maires, quand les employés, bien là, quand il n'y a pas le choix aussi que la population embarque pour adopter des saines habitudes. J'invite tous mes collègues maires, toutes les autres villes à embarquer dans le défi. C'est important que les maires, les mairesses embarquent. C'est important que les villes, les employés embarquent. Je pense qu'on a tout intérêt comme collectivité à envoyer le signal que les saines habitudes, c'est une priorité et on y prend part.